Bonjour à toi, je te souhaite une belle et agréable journée avec Jésus. Deux amis avaient l'habitude de courir tous les matins ensemble avant de se rendre à leur travail. Dans la campagne où ils couraient, ils ont croisé un fermier qui récoltait des pommes. Celui-ci leur en proposa en leur disant que s'ils en mangeaient une, ils courraient beaucoup plus vite que d'habitude. Xavier s'empressa d'en prendre une et de l'avaler. Il partit en trombe et pendant 20 mètres, il courut effectivement un peu plus vite que d'habitude. François le rejoignit quelques mètres plus loin et ils continuèrent leur chemin jusqu'à leur domicile. Le lendemain, arrivé à la hauteur du fermier, ce dernier leur proposa à nouveau des pommes. Xavier en prit encore une, et tout comme la veille, il courut ses 20 mètres beaucoup plus vite que d'habitude. Et François, à son tour, le rejoignit un peu plus loin. Le lendemain, troisième jour, Xavier demanda à nouveau une pomme au fermier qui, avec plaisir, la lui offrit. Et tout comme les deux jours précédents, sur ses 20 mètres, il courut beaucoup plus vite. François le rattrapa plus loin et lui posa la question suivante. « Mais Xavier, dis-moi, pourquoi prends-tu cette pomme? Elle ne te fait courir que 20 mètres seulement beaucoup plus vite. » Xavier lui dit « Écoute, ça me fait plaisir. J'ai toujours voulu courir plus vite. » « Mais toi, pourquoi n'en prends-tu pas? Tu devrais aussi en prendre et comme ça on courrait côte à côte plus vite. » Ce à quoi François répondit « Te voir courir avec ce sourire sur les lèvres est pour moi ma récompense. » Les deux amis continuèrent donc jour après jour à courir côte à côte, éprouvant la joie d'être ensemble. Et ce, jusqu'à ce que le fermier n'eut plus de pommes à leur proposer. Salomon nous dit que l'ami aime en tout temps. C'est le vrai bonheur que d'être près de ton cœur. C'est le vrai bonheur, vrai repos. Du Seigneur, vrai repos, Père parfaite et bonheur, sous les ailes du Seigneur. Alors nous allons poursuivre au numéro 520. Le nom de Jésus est si doux, de deux désarmons le coup. Le 520. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des hommes en le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Ô nom béni, nom
grand tout-puissant. Quant à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant par le bon nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le ciel est gris, mais le soleil de justice est là présent dans notre cœur et nous pouvons dire merci à notre Dieu pour cela. Frères et sœurs, amis et vous qui êtes sur le live, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre réunion de prière du mercredi. Et nous allons tourner au 97, Jésus est notre ami suprême. Ok, l'amour. Je vous invite à vous tenir debout au numéro 97, Jésus est notre ami suprême. Ok, l'amour. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour, mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour, et ses familles, amis, tout passe, celui qui demeure dans sa grâce. De nous jamais il ne se lasse. Oh, quel amour, il est notre vie éternelle. Oh, quel amour, célébrons son vie mortelle. Oh, quel amour, cherchons sa brebis égarée dans le désert. Il a trouvé au bercail, il a ramené. Oh, quel amour, il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour, nous bénir est tout son délice. Oh, quel amour, sa voix notre âme attentive, toujours en paix, jamais craintive, près de lui se repose et vive. En son amour, Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, ô daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, car jamais notre âme ravie savoure une joie infinie. Nous allons nous prosterner pour la prière. En ce soir, notre Dieu, notre Père, nous te louons pour ta bonté, ta fidélité, pour Jésus-Christ qui s'est donné pour nous sauver, pour cet grand amour que tu as manifesté pour des pécheurs indignes. Notre Dieu, notre Père, merci pour cet amour, merci pour ce sacrifice. Grâce à Jésus, nous avons l'espoir. Grâce à Jésus, nous pouvons revivre, Seigneur. Grâce à Jésus, nous pouvons triompher. Au nom de Jésus, l'ennemi est écrasé. Au nom de Jésus, nous avons la victoire.
Au nom de Jésus, l'emprise de Satan n'est plus sous aucun de tes enfants. Notre Dieu, notre Père, ouvre nos bouches par ton Esprit Saint afin d'annoncer à d'autres cette bonne nouvelle. Nous pensons à tous ceux, toutes les villes du monde entier, toutes les tribus, toutes les contrées, tous les peuples, Seigneur, qui n'ont pas encore entendu ce message dans la fenêtre 10-40, que l'Évangile puisse pénétrer cette fenêtre. Bénis les personnes qui y sont. Nous prions pour eux, Seigneur, ceux qui sont dans les pays difficiles. Nombreux de tes enfants sont persécutés parce qu'ils osent accepter le sabbat. Ils perdent leur famille, ils perdent leur travail. Mais n'oublie aucun de tes enfants. Assure-leur, tout comme Élie, du pain et de l'eau. Et qu'un grand nombre, Seigneur, beaucoup puissent entendre cet évangile et accepter le salut. Notre Dieu, notre Père, en ce soir, milieu de semaine, nous venons te déposer nos vies entre tes mains afin que tu la sanctifies jour et jour, chaque jour. Seigneur, au nom de Jésus, dépose ton Saint-Esprit sur nous. Ouvre notre intelligence, aide-nous à marcher de sanctification en sanctification. Ouvre nos yeux afin de comprendre ta parole et de la mémoriser. Ouvre notre intelligence pour comprendre les thèmes du sanctuaire, les thèmes de l'état des morts, le thème du spiritisme. Il y a des thèmes importants, Seigneur, que nous devons apprendre, nous, adventistes du septième jour. Ouvre notre intelligence pour ne pas tomber dans les erreurs, pour ne pas faire de groupe à part, de dissidence, mais de marcher unis. Il y aura des choses difficiles, Seigneur, mais si nous sommes ancrés dans ta parole, nous allons résister, Seigneur, quand le bateau sera secouru. Ancre-nous en toi, au nom de Jésus, que nous passons du temps à méditer ta parole, à la comprendre, à prier, à te chercher, Seigneur, quitte à délaisser nos affaires, mais donne-nous ce temps de te chercher. Au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de visiter tous les enfants. Ce sont tes enfants. L'ennemi met des attractions pour les jeunes, mais pour les adultes. Mais Seigneur, visite-les, Seigneur. Tu peux les arracher des griffes du malin. Tu vois la photo du fond. Tous ces jeunes sont partis. Il y a une minorité à l'église. Nous te les réclamons. Ils sont happés dans ce monde. Mais Seigneur, tu peux les appeler par ton esprit afin qu'ils se rappellent, tout comme le fils prodigue, Seigneur, qu'ils avaient quelque chose de bon chez leur père. Seigneur, ce sont des soldats pour toi qui donnent leur vie, Seigneur, dans ce monde. Mais Seigneur, au nom de Jésus, nous les réclamons maintenant, tous, Seigneur, afin qu'ils reviennent et que nous les accueillons les bras ouverts. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux dans ce quartier qui connaissaient ton nom, qui ne viennent plus à l'église, Seigneur. Suscite des visions, des songes et envoie-nous aussi comme Pierre auprès de ces corneilles, Seigneur, afin qu'ils viennent à toi. Permets, Seigneur, que les habitants de ce quartier soient bénis. Permets qu'ils trouvent la délivrance et qu'ils te cherchent et qu'ils voient la lumière, Seigneur, dans ce quartier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu vois que le pays où nous vivons, il y a la violence. Chaque jour, il y a quelqu'un qui meurt par balle, par agression, par arme blanche, Seigneur. Les esprits sont échauffés. Au nom de Jésus, tu as dit de prier pour le bien du pays. Pacifie notre pays. Calme les esprits, Seigneur, au nom de Jésus. Que nous soyons des médiateurs. Place-nous, Seigneur, pour donner une parole de consolation, pour donner, Seigneur, de l'espérance et qu'il y a une autre solution que la violence, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mets passe, Seigneur, des anges puissants pour contrecarrer, Seigneur, l'esprit du malin qui, Seigneur, met uniquement de la violence, la méchanceté, des représailles dans l'esprit de la population. Seigneur, la Guadeloupe est à toi, nous la déposons à toi. Mais nous pensons aussi à la France, à l'Europe, afin que tu mettes une brise dans ce canicule. Beaucoup ont perdu leur maison, leurs champs, leurs animaux. Seigneur, nous compatissons, nous te demandons de leur donner un secours, d'abaisser la température de quelques degrés, afin, Seigneur, que le feu puisse s'éteindre et que les pompiers puissent circonscrire ce feu. Seigneur, à tous ceux qui sont en guerre en Ukraine, des guerres oubliées en Afrique, les immigrés tenus captifs en Libye, au Maroc, Seigneur, sois leur bouclier, leur défenseur. Suscite quelqu'un, défenseur, pour les libérer, pour leur donner à manger. Éternel, notre Dieu, notre Père, Dieu compatissant, ce soir, nous crions à toi pour vous, ta servante qui va présenter le pain de vie. Sois avec elle par ton Esprit Saint. Veuille nous délivrer, Seigneur, de toute maladie physique, mentale et spirituelle. Beaucoup d'entre nous sont touchés par des maladies diverses. Tu vois l'état de notre santé, mais nos yeux sont sur toi, toi de baume de Galaam. Seigneur, les miracles encore, nous y croyons. Donne-nous la foi de croire, Seigneur, que nos mots sont entre tes mains, que tu entends nos cris et que tu vas nous délivrer. Nous déposons la boîte de prière. Tu as différents sujets de prière. Vois, exauce selon ta volonté en Jésus et pour ta gloire. Amen. Juste avant de chanter le 101,
Nous aimions rappeler à nos amis intéressés et aussi à nos membres d'église à partir de samedi, 16h, nous allons commencer la classe biblique, le cours, la classe baptismale. Donc, tous ceux qui sont intéressés pour apprendre à connaître Jésus, bien réapprendre aussi, donc venez, vous êtes cordialement invités. Donc, samedi à 16h. On se tient debout et nous allons chanter le 101, même quand la route est obscure. Même quand la route est obscure, Jésus s'approche et me rassure. Il me conduit par sa main sûre dans son amour. M'aimant d'un amour insondable, Jésus de la gloire ineffable, m'apporte joie intarissable par son amour. Même pendant les jours d'orage, quand mon ciel n'est que noir nuage, Jésus me sauve du naufrage dans son amour. Même de ce monde où tout passe, où tout comme un rêve s'efface, dans son cœur, je me fais place dans son amour. M'aimant dans la gloire suprême, de la crèche à la croix, il m'aime. Hier, aujourd'hui, toujours le même dans son amour. M'aimant jusqu'à ta venue, quand tu descendras sur la nue, nous chantons l'hymne, l'âme mûre de ton amour. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, frères et sœurs qui nous regardez sur le live aussi. J'ai tellement chaud, je ne sais pas si c'est le stress, mais bon, ça va aller. Je vous invite à lire avec moi dans Luc chapitre 24, versets 13 à 32. Je vais demander à Luna si elle peut me faire la lecture, s'il te plaît. Luc, chapitre 24, versets 13 à 32. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 32, jusqu'à verset 32. À 32 d'abord. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils leur répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Merci. Amen. C'est une très belle histoire, n'est-ce pas ? Particulièrement, j'aime beaucoup cette histoire particulièrement. Oui, le message de ce soir a pour titre « Quand Jésus vient à ma rencontre ». Quand Jésus vient à ma rencontre. Nous allons essayer de planter ce décor. Mettons-nous à la place de ces deux disciples. Le soleil étant couché, presque couché, ils sont en route vers Emmaüs, petite ville située à 12 km de Jérusalem. Ils ne faisaient pas partie, c'est vrai, des élites des disciples de Jésus, c'est-à-dire des 12 disciples, mais ils étaient zélés pour le maître. Ils étaient venus célébrer la Pâque, le dimanche de Pâque, comme tous les autres juifs, et ce qui s'était passé le vendredi était à la une, hein. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé le vendredi soir? Le vendredi, c'était quoi? Je ne vous entends pas. La crucifixion de Jésus. Eh bien, c'était à la une. On ne parlait que de ça. D'accord? Et chacun se donnait à vive voix, ressassant tous les événements qui venaient d'avoir lieu. Le matin de ce jour, une nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Concernant, je dis bien, concernant la disparition du corps du Christ. Ainsi bien que le rapport des femmes qui, bien sûr, s'étaient rendues au sépulcre et avaient constaté que Jésus n'était plus là et que les anges leur étaient apparus pour leur dire qu'il était ressuscité. Voilà ces deux disciples confus, un peu désemparés. Ils rentraient chez eux pour méditer et prier. Ils étaient tristes. Ils étaient découragés à la vue des scènes du procès et de la crucifixion. Ils marchaient sans espoir et sans foi. Dans leur cheminement, ne voilà-t-ils pas qu'un étranger les rejoigne? Mais tellement absorbés dans leur tristesse et leur désappointement, ils ne prennent même pas le temps de l'observer et continuent leur conversation, exprimant toutes les pensées de leur cœur et se souvenant toutes les leçons que Christ leur avait données et qui, malheureusement, ils ne réussissaient pas à comprendre. Et le doute s'empare de leur esprit, les amenant à se demander, se peut-il que cet homme qui s'est laissé humilier à un tel point, soit le Christ. Parce qu'il a fait beaucoup de miracles, il a dit beaucoup de choses. Et pour le voir, il s'est laissé humilier à ce point, est-ce qu'il est vraiment le Christ? Ne pouvant contenir leur douleur, ils se mirent à pleurer. Oh, pauvre homme! Nous allons nous arrêter un instant. Qu'en est-il de nous? Comprenons-nous tout ce qui arrive dans ce bas monde? Comprenons-nous toutes les prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux? Avons-nous suffisamment de discernement? N'est-il pas étrange que ses disciples aient oublié les paroles par lesquelles le Christ leur avait annoncé les événements qui devaient se produire? Frères et sœurs, n'est-il pas étrange que nous aussi,
avons du mal à accepter ces temps de la fin et pensions que les choses s'arrangeront. Nous allons nous arrêter un instant. Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, les cœurs, de nous donner le discernement afin de nous préparer pour son retour, du moins d'être prêts. Nous allons prier deux à deux et nous allons demander à Dieu ces choses, de nous ouvrir les yeux, de nous donner le discernement afin que nous soyons prêts tous les jours pour son retour. Passons ce moment en prière.
Je disais que nous sommes tous les jours l'objet de la tendresse et de la sollicitude de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait témoigner ce soir? Vas-y. C'est spontané, hein? C'est bien. Alors, je devais revenir en tant que de la métropole. Et l'avion était blindé. Il y avait du monde. Il y avait une queue pas possible. Et donc, on n'avait plus de place. Pourtant, c'était notre jour de retour. On n'avait plus de place dans l'avion. Et donc, on avait du mal à pouvoir... il fallait faire une file d'attente pour pouvoir avoir la carte d'embarquement. Déjà, c'était un problème. Et puis, il y a un jeune homme qui est sorti. Je ne sais pas d'où il est sorti. Il a commencé à tapoter sur son ordinateur. Et il nous a surclassés. On a bien voyagé. On était à notre aise. Alors, je dis, Dieu, il pourvoira à tout. Merci. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait témoigner? Oui, moi je veux témoigner que juste une prière peut te sauver la vie. Parce que Saba, on a eu une longue journée. Enfin, ma journée a été très longue. Et elle a fini avec le comité d'église. Et donc, vers les 19h, je pense qu'on était 19h30, c'est ça? Ok. Alors, après, je discutais juste après le comité. J'ai échangé avec Leslie un moment. Et puis elle m'a dit, bon, elle rentre, puisque ça faisait longtemps quand même qu'on était sortis. Et donc j'ai dit, ok, donc elle est partie. Mais quand elle est partie, j'ai eu une frayeur. Mais une frayeur terrible. Et puis j'ai dit, non, quelque chose m'a dit, pao. J'ai dit, je ne vais pas partir, j'avais prié avant. Et je me suis arrêté, j'ai prié. Et quand j'ai prié, après je suis parti. La prière, le temps que j'ai pris pour prier, c'est ce qui m'a sauvé. Parce que une voiture est arrivée sur moi là. Quand il m'a vu, il était trop tard. Et il était trop tard et la vitesse qu'il arrivait là, il a passé comme une flèche. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment les deux voitures ont fait pour ne pas faire un choc frontal là. Et donc après, il a tourné, mais c'était toujours avec la même allure. Donc, j'ai remercié Dieu et j'ai dit merci Seigneur. Si j'étais parti, comme la voix m'avait dit, pao, je serais arrivé à l'instant T. Et je pense que ouais, je ne serais plus de ce monde. Et amen. Merci amen. Seigneur. Donc, prenez le temps de prier. C'est important. Le Seigneur accompagne ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose? Moi, je vais quand même rendre un petit témoignage. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ce sera trop long. J'avais demandé à l'église de prier pour moi parce que j'avais dit que j'étais tombée et que selon l'échographe, les premières radios, que je devais être opérée du bras. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, j'ai vu l'orthopédiste qui m'a dit que ce n'est pas si grave que ça, mais il faut quand même faire attention, il faut faire beaucoup de rééducation. Je bénis le Seigneur pour ça parce que je vous assure que l'histoire d'opération me faisait déjà peur. Alors le Seigneur répond, c'est vrai, le Seigneur répond aux prières, il ne reste pas sourd à la voix de ses enfants. Alors je continue. Je disais, oui, les disciples étaient encore loin de deviner qui était leur compagnon. L'étranger est venu, les a accompagnés, mais ils étaient loin d'imaginer qui était leur compagnon de route. Ils ne pouvaient s'imaginer que celui qui était le sujet de leur conversation marchait à côté d'eux. Combien de fois, frères et sœurs, dans nos moments de tristesse, de découragement, de doute, nous marchons seuls, ou du moins, nous pensons marcher seuls. Je vous invite à lire un texte se trouvant dans Ésaïe 41, verset 13.
Ésaïe 41, verset 13. Si quelqu'un a trouvé, dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Oui, l'Éternel fortifie notre droite et il nous dit de ne rien craindre, il vient à notre secours. Le Christ n'est pas un étranger qui te rejoint sur le chemin de la vie, mais il est l'ami qui t'accompagne à chaque instant, même lorsque tes yeux sont rivés au sol et que tu n'as plus la force et le courage de regarder devant toi. Il te dit, Ésaïe 41, verset 10. Alors, Ésaïe 41, le verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Oui. Nous allons nous arrêter un moment, nous allons prier. Nous allons changer de partenaire. Nous allons prier comme bon vous semble, un par deux ou par trois. Demander à Dieu de nous aider afin qu'effectivement, que nous puissions savoir qu'il est là. Il nous fortifie, il nous a fait la promesse. Il n'est pas homme pour mentir. Et s'il nous a dit qu'il est avec nous, nous devons croire, mettre toute notre confiance en lui. Nous allons nous agenouiller, nous allons nous demander de nous accompagner, de continuer à nous accompagner. Et nous allons aussi le remercier pour ce qu'il fait pour nous, pour la protection qu'il nous accorde, tout comme disait Charlie, la protection des saints anges à tout moment. Et nous savons qu'il est là, il chemine avec nous sur le chemin. Nous allons prier. Thank you.
le bâton du pèlerin à la main, après avoir reconnu leur Seigneur, ils avancent et voudraient aller plus vite qu'il n'est prudent de le faire. Tantôt courant, tantôt trébuchant, ils avancent, ayant toujours à côté d'eux leur invisible compagnon. Même si la nuit est sombre, le soleil de justice brille dans leur cœur et cela fait toute la différence. Le Christ n'a pas changé. Il veut aussi être ton compagnon, mon compagnon, notre compagnon sur notre route d'Emmaüs. Nous accompagner, il veut nous encourager, il veut nous escorter sur le chemin de l'éternité, tout comme il a fait pour les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs jusqu'à la Jérusalem céleste. Je vais vous inviter à lire avec moi un dernier texte dans Deutéronome 31, versets 6 et 8. Deutéronome 31, versets 6 et 8. Il n'y a pas de volontaire? Je vais lire. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué. Verset 8. L'Éternel marcha lui-même devant toi. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Telles sont les promesses que Dieu nous réitère en ce soir. Amen. Remercions-le d'être ce Dieu. Nous allons faire encore une dernière série de prières, mais des prières de remerciement. Nous allons le remercier d'être ce Dieu-là qui nous a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Nous allons encore prier par deux. Nous allons vous demander de changer de partenaire. Nous allons faire la dernière série de prières.
oui, pour conclure, je dirais, ce Jésus qui a accompagné les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs se tient aujourd'hui, à cet instant même, à nos côtés, et il nous dit, ce soir, la paix soit avec toi. Nous allons conclure ce moment d'échange, de prière. Mais avant de chanter, j'aimerais quand même faire bénéficier à tous ceux qui sont sous le live ce soir, qui nous écoutent, d'une prière. Frère Charlie, de venir ou bien de rester à sa place, prier pour tous ceux qui nous suivent sous le live. Ils ont aussi besoin de prière. Nous allons nous mettre à genoux, c'est possible. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce, puisque Seigneur, tu nous as bénis par ta parole ce soir, et nous sommes vraiment reconnaissants pour les versets que tu nous as donnés pour nous rappeler que tu nous accompagnes, et que Seigneur, quelle que soit notre situation, tu as promis de ne jamais nous abandonner. Mais aide-nous à ne pas t'abandonner, car le risque, c'est que nous nous décourageons. Mais Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à tenir bon. Nous voulons te prier d'une manière spéciale pour les frères qui sont sur le live, qui eux aussi, Seigneur mon Dieu, ont besoin de toi. Seigneur éternel mon Dieu, puisses-tu étendre ton bras et passer dans toutes les maisons qui sont connectées à cet instant ou qui se connecteront plus tard, et déverser, Seigneur, tes grâces et tes bénédictions sur chacun, en fonction des besoins, en fonction de tes plans et en fonction de tes desseins. Nous te demandons, Seigneur, d'intervenir pour ceux qui t'appellent à leur secours, pour leur délivrance, éternel mon Dieu, soit d'une addiction, soit, éternel mon Dieu, d'une situation, soit d'un problème aussi, éternel mon Dieu. Nous déposons entre tes mains toutes ces situations, Seigneur, situations familiales, financières et des fois sentimentales aussi, parce qu'il y a ceux qui veulent se marier et ceux, éternel mon Dieu, qui veulent avoir des enfants, ceux, éternel, qui cherchent un travail, mais il y a ceux aussi qui cherchent l'éternel et qui voudraient bien te trouver. Alors Seigneur, révèle-toi à eux et donne-leur ce que leur cœur désire afin qu'ils puissent te glorifier. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ton bras aussi sur les jeunes qui ont réussi à leur bac mais qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Et Seigneur mon Dieu, qui sont, éternel mon Dieu, comme les flots de la mer, Seigneur, donne-leur une orientation, donne-leur la vision, révèle-toi, Seigneur, à eux, et donne-leur une direction, afin, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent aller dans un sens, éternel mon Dieu, et qu'ainsi leur vie, éternel mon Dieu, puisse avoir un sens pour eux, et qu'ils puissent avoir des objectifs en attendant le retour de Jésus-Christ. Bénis donc nos frères et sœurs sur le live. Bénis aussi nos frères qui se sont déplacés et qui sont dans ta maison, Seigneur. Nous avons tous besoin de toi, Seigneur, puisque nous formons l'Église, éternel mon Dieu, dans son ensemble. Seigneur, que ton Saint-Esprit remplisse chacun et que tu nous aides à persévérer jusqu'au bout et à ne pas oublier, Seigneur, à ne pas oublier, aide-nous surtout à ne pas oublier que tu nous as promis, Seigneur, de rester à nos côtés. Alors aide-nous, Seigneur, à toujours penser que l'Éternel se tient à nos côtés, que Jésus est là et que nous pouvons toujours avoir recours à lui. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais à cet instant, pour ce que tu vas faire, éternel mon Dieu. Et permets, Seigneur, que l'Esprit Saint nous éclaire si nous devons confesser quelque chose, que nous le fassions, afin, Seigneur mon Dieu, que les réponses à nos prières, eh bien, Seigneur mon Dieu, puissent trouver un chemin libre, une voie libre, et qu'elle puisse arriver jusqu'à nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons clôturer ce moment au numéro 104. Oh, parlez-moi de Christ, mon Sauveur. Le numéro 104.
Oh, parlez-moi de Christ, mon sauveur, sur ce grand thème. Me revenez chanter sa grâce et sa faveur, son nom béni. Chantez, chantez, redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans sa gloire pendant l'éternité des cieux. Oh, dites-moi que sa puissance peut me garder, me soutenir dans la détresse et la souffrance maintenant et dans l'avenir. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité des cieux. Oh, dites-moi que dans l'orage sa voix par l'eau flotte en fureur et nous dit mon enfant courage, de l'aube voici la lueur. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité des cieux. Oh, répétons-le tous ensemble, il vient bientôt, le jour est près de tout pays. Il nous rassemble, veillons, prions et soyons prêts. Redites-moi la douce histoire de cet amour si merveilleux que je redirai dans la gloire pendant l'éternité des cieux. Nous prions. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci de nous rappeler ce soir la belle histoire, Seigneur, de notre Sauveur. Merci de nous rappeler, Seigneur, qu'il chemine à nos côtés et qu'il nous a promis de ne jamais nous abandonner, de ne jamais nous délaisser. Que cette promesse, Seigneur, puisse être ancrée en nous, afin lorsque surviennent les difficultés, nous puissions, Seigneur, nous cramponner à toi, car nous savons que tu es Dieu. Seigneur, donne-nous de veiller, donne-nous de prier et donne-nous d'être prêts lorsque Jésus reviendra. Garde chacun de nous en ta paix, Seigneur. Raccompagne-nous, Seigneur, dans nos demeures respectives. Que tes saints anges soient à nos côtés et que ton nom soit béni et glorifié pour ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu représentes pour chacun d'entre nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Mais bonne soirée à vous. Merci de votre écoute. Seigneur, nous voulons nous...
remettre entièrement. Montre-nous ta force, que ton esprit descende. Montre-nous comment prier ensemble.